J'ai mis 2 heures à faire cette coiffure. Hein. J'ai l'impression d'être une danseuse de chez Sean Paul. Attends, j'ai même pas pris de pince pour m'attacher les tresses. Hein. C'est pas possible ça. Hein. Hey, hey. Non, j'arrête. Petite pince à chignon. J'essaye de cacher au max parce que cette coiffure, tu vois, quand j'en fais plusieurs tresses, ça va bien. Parce que ça fait moins bombu sous la perruque. Ok, là je pense qu'on est bon, j'ai extrêmement mal attaché. À tout moment ça peut tomber, mais c'est pas grave. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un essayage de perruque. Ça faisait longtemps et je sais que vous aimez ça. Moi aussi j'adore. J'ai fait une grosse sélection sur Shein. J'en ai pris beaucoup, il y a un choix énorme. Ça a été très compliqué pour moi de choisir. Et vu que je suis en collab avec eux, tac, de suite. Now, je te mets mon code promo. Donc c'est valable sur tout le site, pas que sur les perruques hein. J'ai envie de te dire, c'est parti. Ouvrons ce colis. Et là j'ai reçu assez rapidement parce que les dernières fois, franchement, chaque fois que je commandais, je recevais au bout de mois. Là, j'ai reçu, je crois, au bout de 10 jours. C'est plutôt pas mal. J'ai pris les perruques, genre, ben tiens, avec des bonnets. Ils font des trucs avec des casquettes bonnets. On va voir ce que ça donne. Et là, ce qu'on va faire, on va comparer, genre, comment est la perruque sur le site et comment elle est en vrai. Voir si ça vaut le coup ou pas parce que c'est vraiment pas cher. On va commencer par quoi? J'ai direct envie d'essayer avec ce bonnet là. Première perruque. Comment on va l'appeler celle-là? Ah, c'est génial. Petit bonnet. Oh là là, mais il est chaud! Eh, à deux doigts de couper les cheveux pour garder le bonnet. Mais bon, il m'a l'air assez petit ce bonnet, je sais pas. Donc on a les cheveux qui sont en fait cousus au bonnet, comme ça. Et j'aime beaucoup qu'il y ait des mèches claires dessous, comme ça. On va essayer, voir tout de suite. Oh, mais il est tout petit ce bonnet, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en pense? Là, ça fait hyper naturel, le machin. Elle arrive ici. Yeah, baby. Non, franchement, j'aime bien. Et celle-là, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Avril Lavigne. Passons à la suivante. Donc là on va passer à tout un autre style. Je pense que c'est celle-là qui était assez chère. Mais je voulais trop voir ce que ça donne. Et il n'y avait pas un blonde dégoûté. Je voulais trop un blond. Oh là là, c'est super bien fait. On dirait des vrais cheveux le machin. Tu vois quand il y a des lace comme ça. Ça, ça fait super naturel. T'as des petits cheveux, t'as des petits baby hair. Regarde ça dit. Ça va trop le faire. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de me voir avec ça. Hop là. Je vais couper d'abord la dentelle ici. Parce que sinon j'ai peur de couper les petits cheveux. Normalement si on veut la mettre comme il faut, ouais, il faut de la colle et tout et tout. Nous on verra si on fera une vidéo 24h, je sais pas quoi. Peut-être qu'on mettra cette perruque hein, et là on fera comme il faut. Mais là non, on va juste la poser quoi. Ok. Le derrière et tout, j'ai jamais vu ça hein. Elle est super bien faite cette perruque hein. Aïe. Aïe. Attends là, ça va pas du tout. Faut sortir les petits cheveux. Mais là ça fait pas du tout naturel, ça fait trop gonflant avec mes tresses. Oh my god. Non mais regardez cette longueur quoi. Ouais, celle-là va l'appeler Riri. C'est dommage là que j'ai trop de cheveux, mais ça fait ultra naturel. Tu peux genre te faire des coiffures et tout avec. T'attaches comme ça là. Ah c'est beau. C'est dommage qu'elle soit noire parce qu'avec une peau blancasse comme j'ai, je trouve que le noir ça le fait pas trop. Mais c'est une très très belle perruque hein. Ah, franchement j'aime trop. Moi j'aime trop les tresses comme ça. Passons à la suivante. Qu'est-ce que c'est? Ouh, celle-là elle est longue. Elle est douce. J'en ai pris beaucoup avec frange parce que c'est celle qui font le plus naturel. Oh my god. Elle est tellement longue. Pour voir. Ça fait du bien quand on l'enlève quand même, hein, parce que elle fait son poids. Hein. Allez, archi trop longue. Genre, c'est abusé, quoi. Ça fait... c'est plein de nœuds, enfin... Ouais, celle-là, elle va pas, les cheveux sont trop longs. Alors, il faut savoir que les perruques, hein, je les donne, d'accord? Je les garde pas, à part celles que vraiment j'adore, j'aime beaucoup. Mais je les donne qu'à des gens qui en ont besoin. Par exemple, vous avez problème de santé, que vous perdez les cheveux et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter des perruques, n'hésitez pas à me contacter. Mais attention, je vérifie hein, parce que on vous connaît les mythos. Hein. Si je peux aider, surtout dans ces moments difficiles, I'm here, ok? Passons à la suivante. Ah oui! Ah, celle-là, je suis contente parce qu'il y en avait presque plus en stock. J'avais peur que Shein ne me l'envoie pas avec un petit béret. Très bobo, Paris chic. Par contre, elle pue. Salut, hein, je m'appelle Françoise. Bon, déjà, on a trouvé son prénom, Françoise. Hein. Comment ça se met un béret, quoi? Là, j'ai l'impression d'avoir un bonnet de bain sur la tête. Hein. Il ne comprend pas la façon de le mettre. Je crois que je peux pas faire mieux que ça. Hein. Il manque des cheveux, là. C'est dommage. Hein. J'aime trop, là, les petites boucles qu'on a ici. Elle aurait pu être super jolie, cette perruque. Donc, ouais, non, Françoise, j'aime pas.
J'aime pas Françoise. Enlevons la qui pue en plus. Suivante, alors celle-là, elle est white. Hein. Celle-là, je l'ai prise parce qu'elle m'a fait trop penser à la perruque de Sia. Dans les clips que la petite a porté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Là, elle a une super qualité, cette perruque. J'aurais pas dû la prendre en blanche comme ça. Oh my god. I am Sia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. On refait. Coupé. Non, franchement, c'est une super jolie perruque. J'aime trop la coupe comme ça. Droit comme ça, je trouve que ça fait super joli. Par contre, elle perd un peu les cheveux, Sia. Hein. J'ai un côté aussi, je trouve, je fais hyper sérieuse. Je pourrais trop faire un rôle dans un film, tu vois, genre la chef d'une mafia, tu sais, cigarette à la main. Petit chat sur les jambes. Tu as osé me trahir. Tu ne sais pas ce que tu as à faire. Passons à la suite. On va prendre une blonde. Elle m'a l'air courte celle-là. Non, parce que moi parfois je prends des perruques et je me dis oh, on va rigoler. Et là je crois que ouais. Mais quand même je me rappelle, enfin, sur le site je me suis dit hein, voir comment ça tirait les cheveux vraiment très très courts comme ça. Pour voir. Je sens que je vais me choquer. Oh mon dieu. Oh my god, non mais regarde derrière, quelle horreur, je peux pas. Mais c'est tellement bien fait. Il faut que je m'arrange ici. Oh mon dieu, je sais même pas les mots. De derrière et tout, je suis sûre que ça le fait trop. Ouais, je reviens chez le coiffeur, là, je fais un petit peu court ici. Je pense que... Il y a quelque chose à cette perruque quand même. Je pensais qu'elle allait faire vieillotte, mais en fait non. Elle vraiment, on dirait des vrais cheveux. Ça fait, mais ultra naturel. Pas du tout brillant. C'est même des cheveux qui ont de la texture. Je sais pas comment ils font. Mais je suis choquée comment c'est bien fait ici, quoi. J'ai l'impression que c'est mes cheveux, c'est affreux. Attends, vas-y, j'ai envie d'appeler Emma qu'elle me voit cette perruque, voir. Je vais lui faire croire que j'aime trop. Viens me voir, j'essaye une perruque que j'adore, je veux ton avis. Dis-moi ce que tu en penses. T'aimes bien ou pas? Non, j'ai pas dit tout. C'est vrai, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Ah, mais je trouve que ça me va trop bien. Tu me verrais pas mes cheveux courts comme ça? Non. Je rigole, j'aime pas non plus. Passons à la suivante. Elle a une belle couleur celle-là. Ouf, elle ressort vachement plus rousse alors qu'en vrai. Ouais, si c'est un roux, ouais. Elle est magnifique. Je voulais trop voir en fait si ça m'allait bien le roux. Voyons voir. Hop là. Bah. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'arrive pas à voir si ça me va bien ou pas cette couleur. Mais la coupe est très jolie. La longueur, elle arrive ici. Celle-là, comment on pourrait l'appeler? Scarlett. La couleur et tout, j'aime beaucoup. La coupe, mais juste la frange à reprendre. Passons à la suivante. Allez, on va prendre celle-là. Je me rappelle avoir pris des blondes qui étaient trop trop belles sur le site. Bon, déjà, les cheveux, très beaux. S'il y a des perruques qui vous plaisent, hein, je vous mets, comme d'habitude, hein, les liens en barre d'infos. On arrange. Ça va pas du tout. Mais pourquoi ça me fait autant bon but? C'est dommage parce que franchement les longueurs sont magnifiques. Mais ici j'aime pas du tout, ça fait trop gris. La forme va pas. Mais la longueur franchement beautiful. Mais ça tu mets un bonnet avec ce perruque magnifique hein. Ouais, c'est vraiment dommage hein. Passons à la suivante. Alors celle-là c'est une courte. Je sens que je vais l'aimer. On dirait des vrais cheveux. Elle a la même coupe que la Sia, je crois. Un peu plus longue, mais là, la couleur fait ultra naturelle. Regarde ça, dit. Super beau. Pour voir. J'ai envie d'essayer celle-là. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais là, vraiment, tu me connais pas. Je suis pas mise sous make-up, tu me vois dans la rue. Est-ce que tu te dis, elle a une perruque? Non. Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas. Et celle-là, je la garde parce que je l'aime trop. Oh là là, elle est d'une douceur. Elle est trop bien, cette perruque. Hein. Les filles, si vous êtes brune comme ça, hein, faites-vous un éclaircissement comme ça, c'est trop beau. Hein. Au top, cette perruque-là, je crois que c'est la première qui fait vraiment naturelle et qui va bien. La couleur, même le toucher, je vous jure, c'est un truc de fou, quoi. Je vais languir voir vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Parce que là, honnêtement, j'ai fait que le dire, mais je l'aime trop, cette perruque. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme prénom à celle-là? Charlotte. Charlotte? Allez, on va l'appeler Charlotte, celle-là. Passons à la suivante. Une blonde. Oh, mais attends, il n'y a pas le bandeau qui est fourni avec? Parce qu'il y avait des perruques, genre, avec un bandeau. C'est quoi ce bandeau? Il est moche, là. Je pensais que c'était un joli bandeau. Mais tu me diras, après, j'en ai des bandeaux. Hein. Bon, comme d'hab, les cheveux sont trop, trop beaux. Mais tu vois, ils font un peu plus faux, ceux-là, parce qu'ils sont un peu plus brillants. Ça se voit, hein. Mais là, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que, voilà, tu la mets, t'as un bandeau. Et après, tu rajoutes, du coup, un bandeau à toi. Hop, je vais attacher.
Ou ça fait très Brigitte Bardot, Bardot. Franchement, ça le ferait hein, avec un joli bandeau. Et après, c'est vrai qu'elle brille beaucoup. C'est dommage, elle aurait un aspect un peu plus naturel, ça le ferait encore mieux. Suivante. Ah, une naturelle encore. Donc celle-là, je l'ai prise avec frange. Voyons voir sur la tête. Là, je la mets comment cette mèche-là? Ah, c'est ouais, frange rideau, mais ça me va pas du tout. C'est celle-là qu'on aurait dû appeler Brigitte, non? Les franges ouvertes comme ça, je trouve que ça ne me va absolument pas. Mais si vous avez une tête à frange rideau, elle est très très bien cette perruque. Hein. Elle fait beaucoup plus naturelle que la précédente. Hein. Non, franchement, elle est très très jolie. Mais je trouve que ça me va pas juste, cette coupe-là. Et il nous reste, mais je crois qu'il nous reste qu'une perruque à essayer. Et celle-là, elle est vraiment spéciale. Je crois que c'était la plus chère aussi, avec la tressée. Bon, c'est un blanc, je suis pas très fan, hein. C'est un blond roux. Je suis pas trop fan, mais après c'est exactement pareil que l'autre. On a une lace, on a les petits cheveux. Elle est tressée, mais je pense qu'on peut détacher. Mais ça serait bien dommage quand même de la détacher. Pour voir, tac. Bah vas-y, on va pas couper ça, je vais la tester comme ça. Par contre, ça m'a l'air petit tout. Aïe aïe aïe, ouais. J'ai toutes les pinces qui s'en vont. Oh mon dieu. Là, c'est compliqué quand t'as les cheveux longs, parce qu'elle est toute petite. Imaginons même si je l'aurais bien mise, ça j'aime pas du tout, ça fait trop gonfler. J'ai l'impression de m'arracher mes cheveux. Là, franchement j'aime pas du tout la couleur et tout, ça fait beaucoup trop gonflant. Avoir détaché, mais quand je vois le bout, on dirait que c'est collé un peu, donc ouais non je pense pas. Vite que j'enlève parce que... Ah oh, aïe aïe aïe. Faut que j'enlève ces pinces aussi, elles me font trop mal à la tête. Oh punaise, ça va mieux. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je me suis régalée à la faire. J'espère que vous aussi vous êtes régalée à la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres essayages de perruques et sur quel site, voir la qualité, si ça va bien ou pas. Là franchement je sais même pas si j'ai parlé de la qualité, mais vous avez vu, elle est top. Pour le prix franchement c'est un truc de fou. Je me demande comment ils font. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.